Non, mais en vrai, tu fais essaim de mouche, faveur sanguine, t'es pas mal. Je pense pour moi que t'es pas mal. Bon. J'avais mis des marqueurs pour des pierres de forge 8. Alors, pas dit que ce soit pile là où j'ai mis le marqueur. Hein. Mais du coup, ça me sert à rien en fait. On peut juste aller rusher jusqu'à Malenia. Bon, elle qui adore le saignement en plus. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour. Okay. Bon, là généralement tu t'en prends plein la gueule. Voilà. L'arbre. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Oh. Aïe. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On va le faire, on va le faire. Ah mais merci encore utilisateur anonyme. Et merci aussi à Keton pour les 5 subgifts. Merci beaucoup à vous deux. Ah non mais les subgifts au début de combat d'un boss, ça donne de la force. Je peux pas les ramasser ces papillons. Par contre, ceux-là, oui. Papillon d'ivoine. Voilà, ma cape est souillée, si je puis me permettre. Oh, là. Ouais, bon, allez. Hein. Avant qu'il y ait le papa crevette qui vienne me casser les pieds. J'aimerais bien un ultime chevalier du creuset, moi. Pour le DLC. Tu sais, genre un... Je sais pas, un chevalier du creuset, mais encore plus fort, avec de nouvelles attaques, des nouveaux trucs et tout. Ça serait stylé, ça. Mais peut-être qu'on en aura droit à d'autres chevaliers du creuset, juste sans être des boss, mais en tant que mob, quoi. Je sais pas. Dart tatin dans la sauce, ouais. Clairement. Et Yanway, salut à toi. Alors, mon perso a les yeux qui brillent. Parce que j'ai rejoint... J'ai rejoint les rangs des êtres maléfiques de ce monde. Et la peau rouge, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Tu vois, mon perso a la peau noire et la peau rouge. C'est une référence à Star Wars. Voilà, tout simplement. Un chevalier du creuset sans son armure. Bah, c'est un mec normal, quoi. Plutôt sans le home, si tu veux. Plutôt sans le home. À la base, il devait y avoir... Je sais pas combien... Il y avait un certain nombre de chevaliers du creuset, mais ils avaient tous des noms. Et finalement, il n'y a que Ordovis qui a gardé son nom. Et c'est lié à je sais plus quoi... Mais... Enfin, tu sais, tu peux retrouver, genre, je sais pas si c'était pas 7 ou je sais pas quoi, et... Et t'avais bien 7 noms et tout... C'est cool, en vrai. C'est intéressant. Bon bah maintenant faut survivre quoi. Parfait, il est très rapide cet ascenseur, hein. Ça j'adore. Tu vas prendre quel perso pour le DLC? En vrai je sais même pas. Je sais pas encore. On refera un perso peut-être katana, ce serait bien. J'aimerais bien reprendre mon perso katana double et tout. Refaire un peu ce but là. Peut-être en mieux sûrement, mais... Bon. Malenia, hein. Hors de vie, c'est Siluvia. D'accord, ok, j'avais oublié. Malenia, Malenia. Merci beaucoup, utilisateur anonyme, pour le subgift à Velga Tempest. Merci énormément à toi. Ah, c'était pour arrondir, c'est ça? Ah mince, j'ai toujours un truc de Mog, attends.
Ça me sert à rien, ça. J'ai toujours le truc de Mog. Ah, ah. Oups. Alors, on éclate la bulle. Ouais, de toute façon, j'ai pas grand-chose à mettre. Let's go. On a l'avantage du saignement, c'est sûr. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. Ouais, ça me parle. And I have never known defeat. Janzu, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pou. Pas trop quelle approche je dois avoir avec elle. Faut pas que j'esquive comme ça, il faut que j'esquive sur le côté. Faut que j'esquive sur le côté. Putain, faut que je m'y remette à Malenia. Hein. Vous êtes qui? Excusez-moi, quel est son nom déjà? Bon, en tout cas, mes sorts ne servent à rien. Est-ce qu'utiliser mes buffs est vraiment utile? Ouais, pas trop. Est-ce qu'on tente de la parer? Est-ce que vraiment on va tenter cette connerie? Ah non, on va pas tenter de la parer. Oh, raté. Thank you.
À courte portée, c'est pas cool. À longue portée, je l'esquive, mais à courte portée, c'est impossible à esquiver. À courte portée, c'est inesquivable quasiment. Pour moi, c'est le seul truc que je regrette sur ce boss, hein, vraiment de tout. C'est le fait qu'elle peut faire ce genre d'attaque à courte portée et du coup, bah, tu peux rien faire. T'es juste mort. Par contre, tout à l'heure, on l'avait stun avec l'attaque de saignement. Est-ce qu'on peut le... Ouais, ça dépend ce qu'elle fait, en fait. Je teste des trucs. Voilà, si elle est passive, en fait, tu peux la stun. En gros, c'est ça l'idée. Ouais, GG. Non, en vrai, on lui fait des dégâts, hein. Je sais pas... Ça va, hein. Non, franchement, pas mal, hein. Pas mal du tout. Et si elle est en mode neutre, on peut la stun. Alors, oserais-je dire qu'en P2, on pourrait la stun... En la perma-stun, je pense pas. Je pense pas, mais... Y a moyen. GG. Très mal esquivé pour le coup. Ah, GG. Ah, c'est pas grave, Darth Maul, t'inquiète. Enfin, Darth Tatin plutôt. Ah, j'ai fait de la merde là. Je farme son équivalent sur l'arbre et on est quitte. Effectivement, effectivement. J'adore ce boss, quoi. Tu fais de la merde et t'inquiète, tu le sais. Tu le sais tout de suite. Ok, ok. Si on arrêtait de faire un peu n'importe quoi. On va juste attendre les bons moments pour attaquer, mais bon, c'est chiant, t'attends 2 heures. Et re à Tomwak.
Ok. Mes fioles, le problème, c'est qu'elles me soignent pas assez. J'ai de la quantité en fioles, mais j'ai pas assez de puissance. C'est quoi, c'est les... Les graines, c'est ce qui augmente la quantité de fioles que tu as. Donc moi, il faut que je trouve des églises de Marika, quoi, en gros. Ouais, les larmes de vie, voilà, c'est ça. Beaucoup trop agressif. Gringo, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Ouais, il va me falloir plus de larmes de vie, je pense, déjà. Après, en soi, on la stun à chaque coup d'espadon. C'est pas mal. On lui fait du saignement. Bon, il y a quand même du bon à en tirer là-dedans. Adieu. À courte portée, c'est pas cool. L'attaque multipique. Je trouvais que celle-là, elle faisait plus de dégâts, moi. Et Janzu, bienvenue sur le stream, bienvenue, bien le bonsoir. Elle est cool, hein, un poil pété, mais elle est cool. Bon, là, elle est énervée. L'enchaînement était bon. Merci beaucoup Rex of the Dead pour le resub. Merci beaucoup pour le 14e mois. Ça fait bien plaisir. Passe une excellente soirée en tout cas. Merci énormément. Ah, et bah c'est terminé. Fin du rêve. Oh, quelle grosse pute. En vrai, ça se tente de changer le weapon art, mais on va voir. Non, c'est pas totalement idiot, mais peut-être plus pour la P2 que pour la P1. On va voir.
fait qu'elle puisse t'interrompre, ça c'est très très chiant. Oh non, c'est terrible. Alors faut que je reprenne l'autre weapon art. Oh non. Oh yes. Oh le save. Ah bah mort. Comment j'ai survécu à ça? Aucune idée. Enfin la P2, mais bon. P2, je suis pas bien. Je suis pas serein en P2. Ouais, mais ça se fait, tu vois, avec un peu d'entraînement, quand tu t'y remets et tout, ça se fait bien la P1. C'est la P2, moi, qui me fait un peu stresser avec son attaque des esprits qui est horrible. Et encore une fois, le fait qu'elle puisse faire sa méga attaque à courte portée. Wait. Wait. J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Pas mal la technique, putain. J'en ai parlé. Voilà.
Bah, je suis mort. Pas encore, mais il me reste qu'une fiole. J'en ai parlé avec la sainte de la technique des esprits, elle me dit, oh, cours en fait. Elle m'a dit, juste barre-toi. Ok, j'ai belle technique. En vrai, ça peut se faire, mais il faut vraiment que j'ai des fioles meilleures. Je retente encore juste de voir si je réatteins la P2 facilement. Et après, il faut vraiment qu'on booste ces fioles, en fait, parce que là, ça me fait chier. Je veux dire, je suis littéralement obligé de boire presque 3 fioles pour me remettre toute ma vie. Oh, bon. Ah, j'ai pas changé le weapon art. Non, c'est pas grave, de toute façon je ferai sûrement une erreur. Oh non! Allez, terminé. Et bien le bonsoir à Zayemia. Bien le bonsoir à toi. Et Gringo, bienvenue sur le stream. Bien le bonsoir à toi. Bah les acroniques, le problème c'est que ça sauve pas tant que ça quoi. C'est ça te redonne allez quelques pourcentages de vie. C'est pas un truc sur lequel tu peux trop compter. Et alors après c'est peut-être que moi. Mais je trouve que t'en as pas tant que ça dans le jeu, en fait, des arts chroniques. Enfin, tu peux pas... Je sais pas, c'est compliqué à avoir. Non mais... Est-ce un gag ? World End Syndrome. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais si je peux me permettre, il faudrait que j'ai du temps libre. À la rune de Gaudry, quoi, why not?
Super. Top. Quel jeu Pudding, bien le bonsoir à toi. En fait, le problème, c'est que tant qu'elle continue à faire cette attaque au corps à corps, tu ne peux rien faire, et c'est ça qui est un peu dommage. C'est la seule frustration réelle que j'ai sur ce boss, ce serait ça, tu vois. Tu sais, à force de la pratiquer, à force de... C'est juste de se dire, c'est injuste à quel point, si elle te fait ça à courte portée, tu ne peux absolument rien faire. Et certains me diront, bah si, tu fais... comment ça s'appelle, là, le truc... pas du limier, là, ouais. Je sais pas apprécier les distances, c'est terrible. Et Gigenzo, bien le bonsoir à toi. Cette attaque de mouche, mais où va-t-on? Bah, ça peut la stun, quoi. Et Sliver, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouillard. Ok, super, j'étais quand même vachement loin, mais ok. Ouais, je vous ai fait de la merde, j'avais même pas envie de me sauver. Ah non, mais moi, c'est ça, en fait, c'est ça qui me faisait rêver, c'est qu'à l'époque, les gens me disaient, ouais, Malenia, oh, elle est pas dure et tout. Tu utilises quoi comme arme? Rivière sanglante et pas du limier. Ok, ciao. C'est... ok. Parce qu'en fait, ils mettaient rivière sanglante et puis ils mettaient une autre arme ou un autre truc et... hop. Pas du limier en weapon art. Au revoir. Sympa la combinaison. Elle peut te faire ça à l'infini, tu la battras jamais. C'est terrible. C'est terrible comme t'es dépendant de la RNG, quoi. On va aller chercher... on va faire une pause Malenia. On va aller chercher des fioles... enfin, des trucs, là.
C'est une... peut-être là. On va aller chercher des larmes de vie pour booster les fioles, parce que là, c'est un scandale. Merde, je sais même plus lequel c'est. Numéro 4, là-bas. Allons voir le numéro 4. Mais non, mais tu vois, pour moi, c'est vraiment le seul truc qui est très agaçant sur Malenia. Parce que t'as beau être le meilleur joueur de l'univers, je vois pas comment tu peux esquiver de manière legit, au corps à corps, son attaque de merde. C'est genre, oh bah elle le fait au corps à corps, bah ciao. Mais après, j'adorerais que quelqu'un un jour arrive et me dise, oh t'inquiète, c'est hyper easy, faut faire ça, ça, et que j'apprenne et termine. Et monsieur Warida, bien le bonsoir, comment va? Comment il va, monsieur le World Record? World Premiere. World Record. Comment que ça va un peu par ici? Tu sais que, à force de voir des perfs pareils, moi, ça me donnerait presque envie de faire du speedrun, là, un peu. Presque. Presque, presque. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a Smash... Waouh, un dieu, mais c'est quoi, c'est Paris? Ah. Oh les gars, c'est Paris, oh là là. Après le 49-3, c'est terrible. Ok, ok. Let's go. Allez, 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 allez. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher, bonne nuit à vous. Oh. What? Ça bombarde ici aussi? Ah bah non, je me suis gouré. Je croyais qu'il y avait une larme ici. Autant pour moi, autant pour moi. Alors apparemment, la chapelle, je l'ai eue, là aussi... où est-ce que t'as encore une chapelle? Attends, déjà, faisons le début du jeu. Faisons les choses dans l'ordre. Début du jeu. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Y en a pas une par là? Ah si, là. Là, je l'ai eu. Ah, mais ça va être ici. Oh, oh là, oh là, oui, ici, j'ai rien fait. Y en a là, et y en a au sud. Ok. Bah, let's go. C'est vrai que pour les non francophones, il y a eu des dingueries en France de fête, donc bon. Grosso merdo, nous ne serons jamais à la retraite. Grosso merdo. Et oui, force aux grévistes. Force. Pas le temps. Non français, pardon, oui, pardon. Tu m'as compris quoi. Pour les non bouffeurs d'escargots quoi. Tu vois? Pour les non gaulois. Cet homme, tu sais, qui va s'enfoncer dans sa connerie. Oui, enfin. Ceux qui ne regardent pas les infos, parce que je crois que même l'international, ils en ont parlé. C'était sur le New York Times. C'était un peu partout. Ah, le 49-3 montrait plus qu'un petit malin face à une chanson. Oh, oh non! Mais putain! Oh, je lis le chat. Voilà, oh je lis le chat. Quelle erreur, quelle erreur. Je lis le chat au pire moment, quoi. Ah, ça arrive, écoutez. Ah non, mais... lire ou conduire, hein, il faut... faut choisir. Hein. Prenez-en de la graine, un peu. Ouais, 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 non, c'est dangereux, c'est dangereux.
Donc on a dit, il faut augmenter la puissance de ces fioles qui sont absolument ringardes. J'espère que Torrent était assuré. Je sais pas, tu crois qu'il faut faire qu'on fasse un constat là ? Je suis assuré au tiers, là ça va être compliqué de se faire rembourser quelque chose. Non mais en vrai, tu vois, je reprends la discussion speedrun. En vrai, speedrunner, putain, je sais pas. Hein. J'ai déjà fait un petit peu Bloodborne, tu vois, avec une catégorie de merde, Any% Unrestricted. Il faut maîtriser un milliard de glitchs, maîtriser les boss. En vrai, c'était pas... D'après Disdoc, c'était vraiment la pire run. Hein. Donc j'ai l'impression que maintenant, je suis capable de tout faire. Non, pas les old bosses. En fait, il me faudrait une run pas trop longue, tu vois. Le problème, c'est que va faire un truc à peu près similaire à ce que j'ai fait sur Bloodborne, c'est absolument impossible. Je sais pas. Revenir sur DS3, peut-être. Déjà, ouais, savoir le jeu. Mais arrête de faire chier, allez, lance-toi, bordel. Warida a deux doigts de me foutre une peine, quoi. Oh là là. Monsieur Warida, vous êtes le recordman du Any%. Qu'est-ce que... Comment est-ce que vous motiveriez tous ces jeunes qui souhaitent devenir speedrunner? T'as une tarte dans leur gueule! Voilà ce qu'il leur faut! Ça, c'est Warida qui te motive, ça! Voilà! Ouais, mais je suis pas sûr d'y arriver! Tu veux y arriver! Voilà! Comme ça qu'on éduque les jeunes, bordel! Il est bon, hein! Il est bon, il est bon! Très très bon celui-ci! Je te jure quoi. Non mais bientôt je vais recevoir du courrier chez moi, tu sais. Lance-toi en speedrun ou sinon trois petits points. Petite menace de mort, tout va bien. Aïe aïe aïe. Je crois que c'est la sainte aussi qui va se mettre au speedrun, là, elle est en train de l'apprendre. C'est... Non mais on va tous finir en français dans la même catégorie, tu sais, ça va être terrible. Ça va être terrible quoi. Tu sais, les anglophones, ils vont être là. Oh man, what the fuck? Oh là là, all I see is French people. Oh ouais, non, ce serait très très drôle en effet. Black Ash, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Booyah. Bon courage, Zayemia. Oh, il est très cool, Demon Souls. Il faut lui laisser cette chance. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, je l'aime bien. Il a ses défauts, mais il est cool quand même. Ok, donc il n'y a pas d'autre église ici, c'est bon, j'ai fait les deux. Je crois qu'on est bon. On va pouvoir remonter à la péninsule. J'en ai oublié ici ou pas des... Je crois pas... Il n'y en a qu'une église, elle est là. Il n'y a pas une église là? C'est quoi ça? Je sais même plus ce que c'est. Voilà, j'ai fait zéro église en Kaelid. Ça au moins, c'est, ça a le mérite d'être clair. J'arrive même pas à voir où est-ce qu'elles pourraient être les églises. Avec le relief et tout, j'arrive même pas à voir où est-ce qu'elles sont. Nom d'idiot, ça va finir sur map génie cette affaire. Je sais plus où elles sont. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'elles sont. Mais il n'y en a pas une au sud. Ah, c'est peut-être... Je confonds peut-être avec autre chose, mais attends, au pire, on va faire ça. Et on va aller voir. Tu rigoles, mais un jour, un gars m'a demandé dans le chat « Is there a link somewhere to become French and good at this game ?» Oh, excellent. Surtout devenir français, c'est important, c'est important. Oh non, mais... The power of the baguette.
True Story. Oh, c'est excellent ça. Oh, c'est incroyable. Oh, et ouais, c'est lié, bien sûr, bien sûr. Oh, non, mais là, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai que dans certaines catégories, t'as vraiment que du français partout, quoi. C'est incroyable. Mais j'ai l'impression, surtout, Any% Glitchless, j'ai vraiment l'impression que c'est surtout ces catégories-là qui sont très prisées. Que ce soit Destro, Elden Ring, c'est du French people all the way, quoi. Bon, y'a rien ici. Ah, j'aurais cru qu'il y ait un truc intéressant, mais non. C'est juste une église de communion draconique, dommage. Tout le glitchless sur les souls envahi par les FR. Tous, non. Le Any% Unrestricted est envahi de français sur Bloodborne. Non, je crois on est... Si, on est 3. Attends. 4 ? Non, 5 ? Attends, combien on est ? Combien on est sur le Any% Unrestricted ? Je crois on est 5 français. Non ? Il y a moi, il y a Disduck, il y a Fenex. Il y a... Ah, j'ai oublié son pseudo. Il y a quelqu'un d'autre aussi, mais qui a fait un temps, il y a des années. Hein, qui speedrun plus maintenant. Mais... Ah ouais, non, non, je crois on est au moins 5. Y'a pas une église de Marika là-bas? Non. Attends, là on en est à où en termes de degré de truc? Et reconcombre. Ah nice. Ah nice. On est en plus 9. C'est le max, c'est 12, non? Je sais plus. Oh, je ne sais même plus comment ça marche. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, c'est déjà pas mal hein, ce qu'on a eu là. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller faire des boss à Farumazula, comme ça on est bon. Why not Placidus Axe, en fait, j'ai envie de te dire. Why not Placidus Axe? Il est où déjà celui-ci? Je sais plus où il est. Dans le top 10, Any% Glitchless d'Elden Ring, il y a 5 français. Non mais... Ah, ah. Oh ouais, non mais... Waouh. C'est... C'est fort de café, hein, si je puis dire. Ah, c'est pas mal. L'église dans la zone de neige, celui où t'affrontes le samouraï. Je crois qu'on l'avait déjà, non? Ah, on l'a peut-être pas eu. C'est pas celle qu'il y a là. Ah, on l'a peut-être pas eu celle-là. Vous m'y faites penser après? Je veux juste tenter vite fait un Placidus Axe. Ou pas, parce que je me suis gouré de lieu. Je me suis complètement gouré d'ascenseur. Faut manger des escargots déjà. Bah, attends, c'est trop bien les escargots. C'est trop bon. Non mais je sais pas où je suis en fait. Attends, mais Placidus Axe il est où déjà? Ah ouais non, il est bien là. Hein. J'ai cru que t'étais trop loin ici. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Attends, regarde-moi ça, ce Darth Maul là un peu. Regarde-le bien. Regarde-le bien. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. Ah là là, tout le monde n'aura pas cette ref. C'est bon, un escargot en vrai. Moi j'aime bien. En général, mon petit repas de Noël maison tout seul, c'est crevettes, escargots, foie gras. Puis bon, après j'ai déjà plus faim parce qu'en fait j'ai bouffé un kilo de crevettes, mais je suis un énorme porc, ça va, j'ai le droit. Kilos de crevettes là, alors qu'on fait même pas 60 kilos. Tout va bien. Ah, les 12 travaux d'Astérix, mais oui, la ref, bien sûr, bien sûr. Excellent, excellent. Putain, mais non seulement. Non, mais attends, mais non seulement
ce mec est le meilleur, mais en plus, c'est un homme de goût. C'est un homme de goût. C'est incroyable. Oh, je n'oserais pas dire grand par la... Enfin, petit par la taille, grand par le goût, je n'oserais pas. Hein. C'est jamais encore vu. Il y a de fortes chances que tu sois plus grand que moi. Comme je suis un Imbus 2000. Un Imbus 2800. Bah le saumon, d'habitude, je t'aurais dit, ouais, je le prends aussi, mais en fait, vu le tarot sur le saumon, la dernière fois que j'ai vu les prix, j'ai fait, ok, bah on en prend peut-être pas. Je suis extrêmement grand, non. Tu peux pas être plus grand qu'un SKX, déjà. Pour te donner une idée, SKX, même avec une très grande marche où je me mets dessus, je le dépasse pas. Je le dépasse même pas. Je sais pas combien il fait SKX en vrai. Il fait pas 2 mètres, mais il est pas loin, quoi. Ça... c'est terrible. Terrible. Je crois qu'on peut tous dire aussi que Carcy est le plus musclé, hein, également. Je crois que là-dessus, y a pas de débat, hein. Voilà. Après, est-ce qu'il mange des œufs crus au petit-déj? Ah, j'aimerais bien le voir faire quand même, hein, s'il ne le fait pas, parce que ça doit être tellement délicieux. C'est faux. Mais... Gardien SM, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du POUM! Il est parti juste après les hors d'œuvre. Pour le gros monsieur d'abord! Le seul streamer à Marcel que je connaisse. Non, il y a Veigourou aussi, non? Il stream pas en Marcel, Veigourou? Ah, je sais pas. Il stream pas souvent, mais. J'aurais cru qu'il streamait en Marcel, tu vois. Je peux même pas dire. Ouais, un jour je serais plus costaud qu'un Carcy et tout. Faudrait déjà que je prenne. Ouais, 40 kilos. Je sais pas combien il pèse, Carcy, mais. Voilà, il doit être un peu plus lourd que moi quand même. Hein. Ah non, raté. Raté. Ah mais j'avais oublié qu'en plus après tu devais refaire tout le truc, non. Aïe aïe. Perso je fais entre 1,85 et 1,90 et je suis plutôt maigrichon, souvent le wesh squelette. Non mais 1,85, 1,90, tu ne te rends pas compte à quel point tu es grand. Ah, on lui dira, on lui dira. Ce sera répété et amplifié, Reed. Vous vous souvenez d'ailleurs, et vous vous souvenez par contre de la superbe réplique de Carcy qu'on a créé en avatar sur Bloodborne? C'était pas archi stylé en vrai. C'était pas archi stylé. Oui, il l'a vu, il a rigolé, hein, mais. Je pense que tu sais, il a rigolé, puis il a dû se dire, mais quel enfoiré. Aïe aïe aïe. Ah, je crois que j'avais mis le. Est-ce que j'avais mis le nez au maximum? Tu sais que j'ai un doute. Tu sais que j'ai vraiment un doute, je suis pas sûr de l'avoir mis au max. Il y a un monde dans lequel j'ai pas mis tout au max. Aïe aïe aïe. En plus avec la cage de Micolas, on aurait dit un énorme piercing dégueulasse, c'était incroyable. Bon allez, concentrature pour Placide du Saxe. Bien évidemment.
On est sur une RNG de merde là. Et puis je ne sais pas esquiver. Oh mais c'est pas vrai, tu vas me cracher dessus combien de fois? Ok, le saignement il s'en fout. Crains pas le saignement? Première fois que je vois autant d'attaques de Placidus Axe au début du fight. On va plutôt essayer les seins de mouche comme il bouge pas. Trop tôt. Je crois qu'on va l'enlever ce putain de talisman là, non? Ah mais si je l'enlève après il va me manquer de la foi. Ouais je crois qu'en fait si je l'enlève je suis un petit peu mal là. Ouais, ils auraient pu foutre une effigie à placer du sac, ça par contre je suis assez d'accord. Je crois que si je l'enlève, en fait, je peux plus rien utiliser. Fais voir. Ouais, je peux même pas utiliser la flamberge, quoi, t'imagines? Ah non, on est lié avec ce talisman, hein. Laisse tomber. Bon, on va y aller avec l'essaim de mouche plutôt. Je pense que essaim de mouche, ça peut faire quelque chose. C'est vrai que ça fait chier de devoir tout se retaper, quoi. Parce que Placidus Axe, en plus, c'est typiquement un boss que tu vas refaire plein de fois. Let's go. Yep. Le talisman est soudé à ton âme. Mon âme de chips. C'est ce qui enrobe la chips. C'est ce qui lui donne toute cette fragilité. Ouais, j'ai même pas besoin de me buffer en vrai. Il commence son combat par une espèce d'Armageddon. Super. À cause de sa queue. Oh.
quel enfoiré. Quel enfoiré. Il m'a enchaîné les trois attaques les pires, quoi. La foudre qui tombe dessus, il se barre et après laser. Ah. Faut dire, entre les mouches et le corbeau, ils préfèrent nucléariser la zone. C'est ça. Eh bien, bonsoir, Estio. Ça va super, et toi? En vrai, ça s'est pas trop mal passé, là, le combat. On a eu des bons... À part à la toute fin, on a eu un bon pattern, là, de placer du sax, mais... Mais bon, le saignement, c'est pas aussi OP contre lui que d'autres éléments, quoi. Typiquement, la glace lui fait du mal aussi. Je... Et je suis une biscotte officielle, salut à toi. Bon, un petit peu de retard, un petit peu de retard. Et Azalise, salut. C'est le vrai Raven. Ah, écoute, c'est bien le XX Raven 2800XX, non, il me semble. Comment on va? Et Power 2805, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Et j'ai pas vu Ryan, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Elsadix aussi, j'ai pas vu. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Ouais, il craint pas trop le saignement, mais bon. Mais après, ça proc, hein. C'est, il est juste résistant au saignement, c'est tout. XX Raven 2800XX. Ah, écoute. Et ça commence à dater maintenant. Je pense que les gens maintenant sont habitués. Ok, super. Putain, vraiment de la merde ça. Bah oui, bien sûr. On peut le stun. Bah... Non. Ça me touche même à cette putain de distance. Tiens, regarde le saignement. Bim. Alors, les seins de mouche fait quand même le café sur ce boss. Ah d'accord, c'est pas un peu tôt pour la P2 ? Placidus Sax n'a pas le temps. Je vais mourir.
Comment t'esquives ça, bordel? Je vais sur le côté, ça me touche. C'est super! Bien joué! GG. Ah. Je me suis jamais habitué. Arrêtez. Je me suis jamais habitué. Non, mais... oh. Quand même. Ah, c'est stylé, bah ouais. Monsieur Floki, bien le bonsoir à toi. Un mock gilet jaune qui voulait pas se faire tuer par la Sainte Flamberge. Elle est trop bien la flamberge, elle est magnifique. Ah nous on a fait un mog no P2 avec la flamberge. Ouais mais le nouveau pseudo maintenant ça commence à faire un petit moment. Mais ça me trottait en tête depuis si longtemps. J'étais là, t'sais, allez c'est bon. Mais tu sais que très souvent, en fait, c'est j'aurais pu le faire depuis plus longtemps, le changement de pseudo. Mais c'est juste que ce qui m'empêchait de le faire, c'était que ça allait changer tous les URL et tout. Ça allait trop être chiant. Hop là. Genre Twitch, tu tapes XXRaven2100XX, tu tombes pas sur cette page, quoi. Normal. Bring Raven2800 back. Il est toujours là, hein, sur la play, ça a pas changé, hein. Eldart Noir, bien le bonsoir à toi. Ça va super, écoute. Et toi? On fait des boss un petit peu compliqués, mais ça... Ouais, ça passe quand même, ça passe. Putain, j'avais pensé à nos traumatismes. Ah ouais, quel traumatisme, hein. Wow, mon youtubeur préféré qui va enfin avoir un vrai pseudo digne de ce nom. Oh là là. Bah non mais tu sais, en fait moi ce qui m'agace avec ces URL c'est qu'ils pourraient dire tu changes ton pseudo, bon bah l'ancienne URL te redirige toujours vers celle-là ou j'en sais rien tu vois. Hop là. Après il y a pire hein, en vrai. Genre sur Tipeee mon pseudo ça a toujours été Raven2800, tu vois c'est toujours pareil. Et ben, si je veux, je peux changer le nom de la page en Ravencross, mais l'URL sera toujours Raven2800, tu sais. Donc, yes. Genre, il n'y a pas de changement d'URL sur leur site. Ok, super. Ça vient d'Armored Core. Putain, vous le savez toujours pas? Ça vient d'Armored Core Silent Line, tout simplement. Que ce soit Raven ou que ce soit Cross, tout vient d'Armored Core. Il y a pire comme pseudo, il y a SKX. Docteur SKX. Oh, il y a pire que SKX. Oh, il y a pire. Il y a Kugby. Rugby TV. Alors, il y en a qui savent peut-être pas d'où est-ce que ça vient, parce qu'à chaque fois, je l'appelle Rugby TV. En fait, c'est un de ses fans sur YouTube un jour a posté sous une de ses vidéos en commentaire. Oh, merci pour tes vidéos, j'adore tout ce que tu fais, Rugby TV. Mais tu sais, on était là, mais what the fuck. Oh là là, ouais, non, c'est particulier, quoi, c'est particulier. Bon, ça va, en général, personne se gourre, hein. Raven, ça passe bien, tu vois. Ah par contre le Docteur X, tout le monde ne sait pas, tout le monde ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Un superbe run en coop. Ça c'était cool ça.
place it to sex. Pas de soucis, Genox. À tout à l'heure. D'autres. Oh, on ronfle le boss. Et Prosper, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouya. Oui, apparemment Diablo X9 revient. Mais enfin, il revient. Il refait une apparition. On va dire ça comme ça. Après, Diablo X9, ça n'a jamais été quelqu'un que je suivais, moi, perso. C'était pas une personnalité que j'avais envie de suivre. Après, pour des raisons qui me regardent, j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais puis surtout, il faisait des jeux qui m'intéressaient pas. Je pense que c'est une des principales raisons des jeux. Mais c'est toujours cool, tu sais, de se dire, bah tiens, c'est quand même l'un des pionniers, etc. Sympa de le voir revenir. Après, il y en a qui aimeraient bien revoir City Gidix, mais bon, lui, on sait pas ce qu'il est devenu. Hein. Cet homme a complètement disparu. Ce qui est marrant, c'est qu'à aucun moment, il y a quelqu'un un jour, tu sais, qui s'est dit « Ah ouais, il est là et tout, machin, ou je sais pas, je l'ai vu à tel endroit. » On sait même pas pourquoi il a arrêté. En fait, c'est surtout ça, c'est le pourquoi il s'est arrêté du jour au lendemain. Parce que tu sais, il a même pas fait une petite vidéo pour dire « Hey, ciao, je me casse » ou j'en sais rien. Bizarre, hein. Bizarre, bizarre. Ah, mais je jouais à Armored Core depuis que je suis gamin. Hein, donc oui, je suis fan de From Software depuis très longtemps. Et Ryan, bien le bonsoir à toi. Bienvenue sur le stream, bienvenue. Ouais, mais en fait, il y a que des rumeurs, tu vois. C'est que des rumeurs sur Digidix. J'ai lu les mêmes rumeurs, hein. Ah, skip ça. Ouais, mais personne ne le sait, en fait. Bientôt les Kingsfield en stream. Bon, ça ira, merci. Bien vrai. Yes.
Aïe aïe. Plutôt tenter un Malikette. On va tenter un Malikette, hein. Ouais. Ah, y'a des boss comme ça. Non, encore que Malenia, c'est juste qu'il nous manquait un petit peu plus de... Malenia, je pense que c'était faisable. Après, si tu saxes, putain, ça dépend vraiment de la RNG. Attention, il fonce droit sur nous. Ah bah super, le feu derrière là. Ok, un peu toi. Oh, j'en ai plein le cul d'être une chips, hein. Par contre, le feu dans le dos là, ça m'a fait plaisir, ça. Ça m'a fait très très plaisir. Est-ce que je lui règle le compte à son chevalier ou pas? On va voir. Ah, il y a des trails comme ça. Ah, ce soir pas bon. Oh, il y a des soirs comme ça, on est mauvais. Tant qu'à la fin, on y arrive. C'est le principal. Ok. Bon, espérons qu'il nous refasse pas du crachat de flammes là à distance. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Mais laisse-moi le temps de me buff. Je meurs si vite. Oh, c'est abusé. Putain, mais je meurs si vite. Là, pour l'instant, ma faiblesse, c'est juste ma vie, quoi. Enfin, ma défense. Ah, pourtant, je l'ai quand même bien amélioré. Hein. J'absorbe quand même 20% de dégâts. 20%. Pas 50, non, 20. Ce qui est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Pas de soucis, je suis une biscotte officielle, bonne soirée à toi. Ok les dégâts. Oh death. Become my blade once more.
First try. GG. Taste the Booyah. La flamberge, les gars. Meilleure arme du jeu. First try Malikette, oui, oh. J'ai pas first try le premier, mais bon. Non, je suis content, franchement. Super try contre Malikette. On a à peine vu le pattern. C'est la puissance. Unbound. Merci pour le GG. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. It is then. You'll be Elden Lord yet. Mon biche. Dartatin, prépare ton destin. Salut Manoxys. Incroyable. Et j'ai cramé qu'une fiole de tout le combat de Malikette. Ah, c'est quand même dingue là ce qui vient de se passer. Ah ouais, quand même. Comment on fait? Comment qu'on fait? Oh, j'ai bien envie de try les boss là. Hein. Allez, hein. Oh, il est 1h30, ça va, on a le temps. Un petit Gideon là? Ça va et toi, Vanoxys? Un petit Gideon, vite fait. Putain, le boss, il va tellement encore nous en mettre plein la vue. Alors ça va, il aura pas tous les sorts, tu me diras. On n'a pas battu Malenia. Donc il aura un sort de moins, yeah. Allez. On y croit. Ouais, mais ça c'est un truc qui m'énerve aussi, hein, moi. Quand Lindel est détruite, après tu fais oh non, comment je peux récupérer ça? Bah tu peux pas. Ok, bah yes. C'est un peu agaçant en vrai. Un petit peu agaçant. Vous allez pas réussir à me battre pour la rune de la mort, Raven. Are you sure about that? J'ai la ref. Ratio. Cannot
Ratio Gideon, bien sûr. Ah, c'est bon, ça. Ah, ça me fait plaisir, ça, pour le coup. Un vrai bon first try des familles. Voilà. GG, hein. On va tenter le daron maintenant. Respect the boss. Non. Nope. Not this time. It never happened. Total fabrication. Voilà. Vous aurez pas la ref, mais c'est pas grave. At last, I have returned. Ah, Chabrier. Long and hard. Aïe, aïe. Cobra Jojo, bien le bonsoir à toi. Bienvenue sur le stream. Didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold? Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Il aurait vraiment dû être le boss final. D'où ça me touche? Pas grave. Ah mais c'est dommage quand même, ce boss, je trouve, il aurait été... Enfin... Après, j'ai rien contre Adagon en soi. Mais Elden Beast, par contre, moi c'est ça qui m'agace. Quoi. Il te touche s'il veut, c'est le Elden Lord. Ah écoute. Apparemment, il parle de long et dur. Ok.
En fait, c'est que j'ai pas assez d'endurance. Parce que moi, sinon, je lui en mets plein la gueule, tu vois, mais j'ai pas assez d'endurance. Le souci de la fin, c'est l'Elden Beast. Mais j'arrive pas à comprendre à quel moment FromSoft s'est dit « Putain, c'est un bon boss de fin, let's go !» C'est ça, moi, je suis pas... Majestic. Merci beaucoup, Vanoxys, pour ton Prime. Merci énormément à toi pour le 18e mois. Ça fait bien plaisir. Pourquoi est-ce que j'oublie tout le temps que ce truc m'enlève de la vie? J'oublie tout le temps que ça m'enlève de la vie, je suis débile. Oh là là là. Si seulement on avait eu droit à Torrent contre la bête. Ouais, déjà. Parce qu'en fait, la bête d'Elden en soi, je peux comprendre, tu vois, tu sais, genre, ouais, bon. C'est mystique, c'est machin, ok. Mais le boss fait que se barrer. Ça m'a rappelé les heures sombres du boss final dans un jeu indé Souls-like. Où le boss final, c'est exactement l'Elden Beast. Le boss fait que se barrer, il a 1 milliard de PV, tu mets 2 heures pour le tuer. Enfin, c'est même pas amusant. L'attaque en délai. Non, l'attaque en délai dégueulasse. Ça fait plaisir de le faire avec un build, tu sais, normal. C'est cool. Non mais ouais, Elden Beast, je sais pas. Je pensais pas que c'était possible en fait de me faire détester un boss encore plus que Nashandra dans DS2. Parce que elle, je l'aime pas, mais juste parce qu'elle est nulle en fait. Elden Beast, je l'aime pas parce que c'est un mauvais boss. Super. Voilà, c'était la B2. Et Daxter, salut à toi. Ah ouais, non mais le combat Elden Beast, pour moi, était pensé avec Torrent. Ça, c'est sûr. Oh, le pauvre. Why? Why, Godfrey, why? You didn't have to do this.
just because he was short and flat. Enough. Et des matos, salut à toi. Et puis t'enchaînes Radagon et Elden Beast aussi, c'est ça qui est très chiant. Now I fight as Horalu. Warrior. Et bah t'es plutôt musclé mon con. Derme le coup de pied. Est-ce qu'il me fonce dessus? Non, ça va, il est sympa. Tarnished. Thy strength. Taste the booyah! Waraloo! J'adore ce boss. Vraiment un de mes préférés du jeu. Vraiment un de mes préférés de ce jeu. Il est incroyable. Un poil faiblard par rapport à ce que tu peux affronter à côté, mais. Mais tu sais, c'est comme Radahn. Hein. Radahn, pareil, il est trop bien, mais un poil faiblard, quoi. Enfin bon, trop cool. Merci pour les GG. Sapé 2 m'a déçu, j'aurais voulu voir le lion en action. Bah pareil. Moi à la base, quand on voyait la jaquette et tout, enfin tu sais, tous les on va dire les arts, putain comment ça s'appelle là, bah toutes les images quoi en gros d'Elden Ring. Tu voyais ce mec qui avait l'air d'avoir trop la classe avec son esprit et tu savais que t'allais jouer avec des esprits. Donc moi je me disais bah trop bien, ça va être un combat esprit, ouais voilà les arts, artwork merci. Tu voyais sur les artworks Godfrey avec son lion et tu te disais bah trop bien, moi je vais utiliser mon esprit, lui le sien, ça va être un combat vraiment très cool et tout. Au final c'est Roche, sert à que dalle et le boss est un peu raccourci quoi. A la base, je crois, dans la version 1.00 du jeu, Godfrey, tu le fais en 2 barres de vie. Il avait 2 barres de vie avant. Mais je pense qu'ils se sont dit, à juste titre, qu'une barre de vie entière pour Oharalu, c'était un peu pété. Donc, ça, en vrai, je peux comprendre. Ça, pour le coup, 100%. On va tenter le boss final, mais j'ai peur de ce qui va se passer. Le saignement sur le boss final...